الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنتشرف أن نستضيف في هذه الليلة المباركة وفي هذه الغلفة المباركة لغوبير دو لا سنة، أعلام السنة، فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى، وسيلقي إن شاء الله تعالى محاضرة قيمة بعنوان تحقيق التوحيد. Donc ce que je viens de dire en arabe, c'est que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir et dans ce salon les repères de la Sunna, le cheikh Mohamed ibn Ramzan al-Hajiri. Et il va nous donner un cours portant sur ou qui a pour sujet la concrétisation du tawhid, de l'unicité. فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء عبر الأثير من خلال هذه الغرفة، وذلك للمذاكرة في مسألة مهمة، ألا وهي تحقيق التوحيد. ومن أجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le Cheikh, après avoir donné une introduction connue de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il allait parler dans ce cours d'un sujet qui était de la plus grande importance et qui est la concrétisation du tawhid, de l'unicité. Et il nous a rappelé le shir qu'Allah Azzawajal a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes dans ce but, dans le but de concrétiser le tawhid. Et il nous a rappelé le verset dont la traduction du sens et qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin qu'ils adorent uniquement Allah et qu'ils se désavouent complètement du tarot. Ar-rusul ursilu ila aqwamihim min ajl hadha. Wallahu tabaraka wa ta'ala amara bi hadha. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذا معنى لا إله، فلا إله إلا الله قامت على النفي والإثبات. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. البراءة كذلك النفي، إلا الذي فطرني إلا الله. فهذه هي دعوة الرسل، الأمر بتحقيق التوحيد ونبذ ضده. Donc le Cheikh nous a rappelé que ce tawhid, en citant deux versets du Coran, que ce tawhid là, il comprend ce qu'on appelle l'ifbat wa nafi, c'est-à-dire l'affirmation et les négations. Donc on affirme l'adoration uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et on nie toute autre adoration en dehors de lui. U'budullah wa la tushriku bihi shay'a. C'est-à-dire adorer Allah Azzawajal. Et ici c'est al-ithbat, adorer Allah Azzawajal, c'est-à-dire l'affirmation. Adorer Allah Azzawajal uniquement. Wa la tushriku bihi shay'an, c'est-à-dire ne lui associer rien du tout. Et c'est ici un nafi, c'est-à-dire la négation. Donc on nie toute adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal.
Également, le Cheikh l'a cité un autre verset, Innani bara mimma ta'budun illa alladhi fatarani. C'est-à-dire, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah Azzawajal. Et ici, bien entendu, c'est un nafi, c'est-à-dire la négation. Allah Azzawajal, dans ce verset, nous informe que l'on doit donc se désavouer de tout en dehors d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire toute adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Illa alladhi fatarani, huna al-ithbat, c'est-à-dire qu'ici il y a l'affirmation et donc l'adoration d'Allah Azzawajal uniquement. الإسلام قام على ثلاثة أمور: الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، والأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. هذا هو معنى الإسلام. الإسلام قائم على ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله. على هذا قام ديننا. Donc le cheikh nous dit que la religion et l'unicité donc se basent sur trois choses. La première donc, al-istislam ou lillah bit-tawhid, c'est-à-dire se soumettre à Allah Azzawajal par l'unicité. Et également, il nous dit al-inqiyad ou lahu bit-ta'a, c'est-à-dire obéir à Allah Azzawajal, obéir à lui, c'est-à-dire se vouer totalement à Allah Azzawajal par l'obéissance. Al-inqiyad ou lahu bit-ta'a. Et ensuite, il nous cite le shirk, qui est le troisième, al-bara'atu min al-shirk ou ahli, c'est-à-dire se désavouer de l'associationnisme, du polythéisme et de ces gens. Donc la religion se base sur ces trois choses. أما تحقيق التوحيد فيلزم لذلك أن يحذر من مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الأمر الثاني أن لا ينقص كماله بشرك أصغر. الأمر الثالث أن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. من لم يقع في هذه الثلاث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Le Cheikh nous cite également un point qui est très très important par rapport au Tawhid. Il nous dit que celui qui concrétise réellement le Tawhid, c'est-à-dire dans un premier temps, ce qui est la base du Tawhid, et qui ne va donc pas tomber dans ce qui va à l'encontre de cela, c'est-à-dire Shirk al-Akbar, c'est-à-dire le polythéisme majeur. Donc ce qui va lui le faire sortir de l'unicité. C'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on appelle la perfection du tawhid. La perfection du tawhid. Kamal le tawhid. C'est-à-dire qu'il ne va pas tomber dans quelque chose qui va à l'encontre donc de cette perfection. Comme ce qui est de l'ordre du polythéisme mineur. Et ensuite, le shir également, il nous dit qu'on ne doit pas tomber dans ce qui est de ce qui va à l'encontre de l'obligation du tawhid. Et à l'exemple de cela, il nous a dit, le shir, les innovations, et également les grands péchés, le kabayr, et également l'israr al-sarayr, c'est-à-dire faire les petits péchés de manière continuelle. Donc tous ceux qui ne tombent pas dans cela, qui ne tombent pas dans le grand polythéisme, dans le petit polythéisme, dans ce qui va à l'encontre de la perfection du tawhid, et également qui ne vont pas à l'encontre de ce qui est également de l'obligation du tawhid, c'est-à-dire qui ne tombent pas dans l'innovation,
les grands péchés et les petits péchés, c'est-à-dire de manière continuelle, alors cette personne-là, elle rentre dans le paradis, elle rentre au paradis et elle a complété le tawhid de façon, de manière totale. هذا الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بتحقيق التوحيد بحاجة إلى شرح، وسوف نشرح هذا فقرة فقرة. Donc le shir, ce qu'il vient de citer à l'instant, ça demande une explication. Et le shir, il va expliquer chose par chose. الأمر الأول أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. النقض من الإزالة. النقض من الإزالة. وأصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر. الشرك الأكبر ينقض التوحيد، فلا يجتمع الأكبر مع التوحيد، فمن وقع في الشرك الأكبر حبط عمله، ولو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. Le cher donc il nous a dit, donc en expliquant ce qui a précédé, c'est que on ne doit pas tomber dans ce qui va à l'encontre de l'origine du tawhid, c'est-à-dire asl tawhid. Et ce qui va donc à l'encontre de cela, c'est al-shirk al-akbar, ce qui va à l'encontre et ce qui rend le tawhid vain, c'est le grand shirk, c'est-à-dire le grand polythéisme. Et la personne qui tombe dans cela, automatiquement, il n'a plus d'unicité, et toutes ses actions vont devenir vaines. Et il nous a cité le shir, le verset, qu'il a cité donc en langue arabe, et également le hadith qu'il a cité, et qui nous prouve donc ici que la personne qui donc commet le grand associationnisme, ses actions deviennent vaines, et bien sûr il est sorti de l'unicité. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك بصرف عمل أو قول أو اعتقاد هو محض حق الله لغير الله، كالصلاة لغير الله، كالذبح لغير الله، كالسجود لغير الله، كأن يجعل مع الله إلها آخر، بمعنى أن يصرف لهذا ما يصرف لله، وهذا الشرك يقع في الأقوال، ويقع في الأفعال، ويقع في الأموال، ويقع في القلوب. فمن الأقوال ما سيأتي ذكره بعد قليل. Donc le shir nous a rappelé donc pour ce qui était donc du shirk al-akbar, du grand associationnisme, que le grand associationnisme c'était donc d'omettre quelque chose qui était dans le droit pur d'Allah Azzawajal pour un autre qu'Allah Azzawajal, que cela rentre dans l'amal, l'acte, al-qawl, c'est-à-dire la parole, ou al-irtiqad, c'est-à-dire la croyance. Et ensuite, le shir, il nous a donc apporté donc des exemples, comme as-salah, la prière, al-dhabh, comme égorger pour un autre qu'Allah, prier pour un autre qu'Allah, as-sujoud, c'est-à-dire se prosterner pour un autre qu'Allah, et donner Allah Azzawajal une autre divinité que lui. Et donc, il nous a dit que tout cela concernait al-a'mal, les actions, al-aqwal, les paroles, al-amwal, les biens, et également al-quloub, c'est-à-dire ce qui rentre dans le cœur,
ou dans les cœurs. فمثال الأقوال أن يستغيث بغير الله ويقول يا رسول الله فرج كربتي أو أن يقول يا أولياء الله أغيثوني أو أن يقول يا صالحين يا أهل الله الغوث الغوث وهكذا كل ما يصرف في الأقوال من الشركيات لغير الله داخلة في ذلك. Donc le cheikh nous a dit, il a parlé par rapport à l'aqwal, c'est-à-dire les paroles. Et ce qui rentre dans l'aqwal, al-istighatha bighayrillah, c'est-à-dire demander l'aide à un autre qu'Allah Azzawajal. Comme par exemple lorsqu'on dit Ya Salihin, c'est-à-dire ô oh, vous les pieux, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Ou également, lorsqu'il a dit le shir, lorsqu'on demande à un autre qu'Allah Azzawajal qu'il nous dissipe un malheur. Donc ça, ça rentre fil aqwal et ça va donc à l'encontre du tawhid. Kadhalika fil af'al kama yaf'al ba'd an-nas alladhina yasjuduna 'inda qubur as-salihin كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحسين أو البدوي أو الجيلاني أو غير ذلك فيسجدون عندها ويستقبلونها وهذا من أفعال الجوارح بل يخضعون وينحنون عندها وتصيبهم سكينة وخشوع وهذا من تعظيم غير الله. Le shir ensuite, il est passé à ce qu'on appelle l'af'al, c'est-à-dire les actes. Et dedans, il nous a dit as-sujud 'inda qubur as-salihin, c'est-à-dire le fait de se prosterner devant les tombes des hommes pieux. Il a donné des exemples, le shir, l'exemple de al-Hussein, al-Badawi, al-Jilani, etc. Tout ce que donc on adore en dehors d'Allah Azzawajal, lorsqu'on se prosterne devant ces tombes, qui sont des tombes des pieux. Et également, le shir, il nous a dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il faisait cela, il y avait dans le cœur al-khushu', il sentait dans leur cœur al-khushu', c'est-à-dire l'humilité. L'humilité donc pour un autre qu'Allah Azzawajal. Pour un autre qu'Allah Azzawajal. Et cela, bien entendu, va à l'encontre de ce qu'on appelle ta'zim Allah. C'est-à-dire, ça va donc à l'encontre donc de révérer Allah Azzawajal. Donc, ils ont révéré على بلاز الله عز وجل نوتر والله المستعان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا وهو حي. والآن يأتون قبره وقد مات صلى الله عليه وسلم ويقولون يغني هو وهو حي يقول لابنته لا أغني عنك والآن يقولون يغني عن الناس بعد موته. Et un point très important qui nous a dit le shir est une preuve. Il nous a dit que le prophète sallam de son vivant, inama kana hayyan, de son vivant, il a dit à Fatima la ugni anki min Allah shay'an, c'est-à-dire que je ne te serai pas profitable devant Allah Azzawajal de quoi que ce soit. Alors il dit cela à Fatima qu'il est vivant. Alors que dire de ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mort, mayyit, il nous est profitable. C'est-à-dire qu'on peut lui demander, on peut lui demander ce qu'on a besoin. Alors que dire et faire la comparaison entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est vivant, il le dit à Fatima, et de ce qu'on font ces gens-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Wallah musta'an. لم يمنع عن نفسه المرض بل في غزوة أحد أصابوه في القتال وكسروا رباعيته وشجوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الدم منه وهو لا يعلم الغيب ومع ذلك الآن يسألونه
النصر ويسألونه شفاء المرضى ويسألونه أمور غيبية، وهو حي لا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب كما قال عن نفسه لاستكثرت من الخير ولمنع عن نفسه الإصابة في معركة أحد ولمنع عن نفسه المرض الذي مات فيه. Également, pour argumenter encore plus, le shir nous rapporte et nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il n'a pas pu repousser de lui-même la maladie. Il n'a également pas pu repousser de lui la mort et la maladie qu'il a eue au moment où il est mort. Et également, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sang a coulé de lui. On sait qu'il a donc été atteint par ces choses-là de son vivant. Et également, il nous précise le shir, la ya'lam al-ghaib, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Et malgré cela, aujourd'hui, les gens demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses de l'invisible alors qu'il est mort. Ils lui demandent qu'il guérisse, etc. Donc on voit ce qui arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, alors que lui, il ne pouvait pas connaître l'invisible et ne pouvait pas repousser de lui-même le mal. كذلك فيما يتعلق في الأموال من النذور والبناء على القبور أو جعل المساجد عليها أو الذبح والشراء، كل ذلك من صرف هذه الأمور لغير الله، وهذا يدخل في الأكبر. Également, ce qui rentre dans le shirk akbar, dans le grand polythéisme, et qui concerne l'amwal, qui concerne les biens, il nous a donné le shir, l'exemple al-nudhur, c'est-à-dire lorsqu'on fait le vœu par un bien, c'est-à-dire de donner quelque chose, et ici bien sûr pour un autre qu'Allah Azzawajal. Également al-bina al-qubur, c'est-à-dire construire au-dessus des tombes. Donc bien entendu, on a besoin de biens pour cela. Également al-dhabh, c'est-à-dire lorsqu'on égorge un mouton ou autre pour un autre qu'Allah Azzawajal. Donc tout cela, la personne donne ses biens pour un autre qu'Allah Azzawajal. والله المستعان. كذلك القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة، فالخوف من الله، وإن بعض الناس يخاف من المشعوذ أو من الساحر أو من الدجال أو من هذا الميت، خوف السر، خوف غيبي، خوف قلبي، بل لو ذكر عنده لقيل للقائل اسكت لا يصيبك مصيبة، وهذا من خوف السر، والخوف يكون من الله وحده لا شريك له. Le shir également, donc il a parlé sur le quatrième point qui est le قلوب, c'est-à-dire les cœurs, et il nous a donné l'exemple de al-khawf, qui est la peur, ar-raghba, qui est le fait de désirer, ar-rahba, qui est donc le fait, c'est le contraire, ne pas désirer, at-tawakkul, le fait de s'en remettre pleinement, d'avoir complètement confiance. Donc tout cela, si c'est fait en dehors ou si c'est émis pour un autre qu'Allah Azzawajal, ça rentre dans le shirk akbar. Et il nous a donné l'exemple donc de ces gens qui ont peur, comme par exemple Dajjal, comme par exemple ceux qui font du sirr, ceux qui donc font ces choses et que l'on sait, ils ont peur de ce qu'on appelle khawf qalbi, c'est-à-dire khawf qalbi, une peur qui vient du cœur, ou khawf sirri, c'est-à-dire une peur qui est secrète. Ils ont peur en eux-mêmes de cela. Et si quelqu'un avait auprès d'eux rappelé ce dont ils ont peur, alors ils disent tais-toi, afin qu'il ne nous arrive pas un malheur lorsque tu dis ça. Donc on voit bien ici que c'est une peur qui est intérieure, une peur qui vient du cœur. Et cela, bien entendu, ça rentre dans le shirk akbar, parce que cela ne doit être émis et ne doit venir du cœur que pour Allah Azza wa Jal. إذن هذا هو الشرك الأكبر، فلا بد للدعوة للتوحيد أن تكون دعوة تفصيلية
ولا بد للتحذير من الشرك أن يكون تحذير تفصيلي. ربما بعض الناس تجد عند القبور ويطوف بها كما يفعلون الروافض أو كما يفعل بعض الصوفية أو غيرهم، فلو أتيت لأحد هؤلاء فقلت ما حكم التوحيد؟ لقال واجب. ولو قلت ما جزاء الموحد؟ قال الجنة. ولو قلت له ما حكم الشرك؟ لقال حرام. ولو قلت ما جزاء المشرك؟ لقال في النار. الحقيقة ماذا يصنع هذا الرجل؟ إنه واقع في الشرك بعيد عن التوحيد. إذن ما عرف الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية، ولا عرف الحذر من الشرك حذرا تفصيلي. فلا بد من الاهتمام بدعوة الرسل بالتفصيل. Le cher également, donc ensuite, il nous a dit, lorsqu'on sait tout cela, il faut donc que la da'wa soit détaillée. Da'watun tafsiliya. Une da'wa qui est donc détaillée, un prêche détaillé. Et également tahdhir tafsili, c'est-à-dire une mise en garde qui est également détaillée. Qui est détaillée, tafsili. Et il nous dit donc, il nous donne l'exemple des gens qui tournent autour des tombes. Yatufun hawla al-qubur, autour des tombes. Inde al-qubur, à l'exemple des rawafid, c'est-à-dire des rafidites, à l'exemple de certains soufias, à l'exemple de certains soufistes. Et il nous dit, si on leur demandait à ces gens-là, quel est al-hukm al-tawhid, si on leur demandait quel est le statut du tawhid, ils nous diraient c'est obligatoire, wajib. Si on leur demande quel est en fait jazal muwahhid, quelle est la récompense de celui qui concrétise le Torah, ils vont dire al-jannah, ils vont dire le paradis. Si on leur demande quel est hukm shirk, ils vont nous dire, on leur demande quel est le statut du polythéisme, ils vont nous dire haram, c'est interdit. Et si on leur demande quel est jaza al-mushrik, si on leur demande quelle est donc la rétribution du polythéiste, ils vont dire an-nar, ils vont dire bien entendu quoi? Le feu. Donc on s'aperçoit que ces gens-là, malgré que de manière générale ils connaissent ces choses-là en détail, ils ne connaissent pas ce qu'est le tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils sont waqi'un, ils sont tombés dedans, ils sont en plein dedans le shirk, et ils ne s'en aperçoivent même pas. Donc cela implique qu'il faut que notre da'wa soit tafsiliya, c'est-à-dire qu'elle soit détaillée. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك تفصيلي. فكان يقول لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. الرقى والتمائم شرك. أرسل رجل أن يقطع كل وتر معلق، أمر علي بن أبي طالب أن يسوي الأرض ما يدع قبرا مشرفا، يقول من يريحني من ذو الخلصة. كان اهتمامه إلى الدعوة للتوحيد اهتمام تفصيلي يحذر من الشرك. واليوم العالم الإسلامي يعج بدعاة كثير، فتجد في دعوتهم إجمال، ما تجد التفصيل. بل كبرى الحركات الإسلامية الآن مؤسسوها كانوا واقعين في الشرك، سواء من كان في الهند أو في مصر أو غيرها، مشهور عنهم أنهم كانوا واقعين في الشرك كالهندية وكالدعوة المصرية، سواء في الجشتية، النقشبندية، السهروردية القادرية أو الحصافية المصرية، وهي من كبرى الحركات، ومع ذلك مؤسسوها واقعون في هذه الأمور الشركية. فكل دعوة لا تهتم بدعوة الرسل هي على خلاف دعوة الرسل. Il nous a rappelé le shir également un point qui est très très important. Il nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une importance totale dans donc l'application de cette da'wa, de ce prêche détaillé au tawhid. Il nous a donné l'exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan
فليحلف بالله, c'est-à-dire celui qui doit jurer ou prêter un serment, il ne prête un serment que par Allah Azzawajal. Donc on s'aperçoit que le prophète, dans cette parole, il nous indique et il nous informe de quoi, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le shirk. Et également, le shirk nous a rappelé ce qu'il disait Ali ibn Abi Talib. Il disait donc, il lui avait ordonné de rendre les tombes au même niveau que la terre. Donc on voit bien ici que ce sont des moyens qui vont amener au shirk et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Et également, il lui avait ordonné donc d'éliminer Dhul Khulasa, qui était ce qu'on adorait donc en dehors d'Allah Azzawajal. Et il nous précise le shirk que Ad-Du'at al-Harakat al-Islamiyya, beaucoup de prêcheurs qui font partie donc des différents groupes islamiques, on s'aperçoit qu'eux-mêmes, ils sont tombés, donc beaucoup d'eux sont tombés donc dans le shirk. Et il nous a donné des exemples, comme ce qu'il y a en Inde, comme ce qu'il y a également en Égypte. Il nous a donné des exemples donc de sectes. Il nous a donné des exemples de sectes qui sont présentes en Inde. Donc on s'aperçoit que ces gens-là, non, ils n'ont pas prêté importance de façon détaillée au tawhid, bien au contraire, ils sont même tombés, ils étaient même dedans, dans donc ce qui va à l'encontre du tawhid. Donc on voit que c'est bien entendu ici un gros gros problème. Wallah al-musta'an. Idan, hada sharh al-faqra al-oula, alla yanqub aslahu بشرك أكبر. أنتقل إلى الفقرة الثانية وهي أن لا ينقص كماله بشرك أصغر. Le shirk, donc c'était la première partie, la première grande partie. Maintenant, la deuxième grande partie, nous dit le shirk, qu'il va donc maintenant nous expliquer ce qui va à l'encontre de la perfection ou du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité qui doit être parfaite. Et bien entendu, ici, ce qui va à son encontre, comme il l'a précisé auparavant le shirk al-asghar, c'est-à-dire le polythéisme qui est mineur, donc qui ne fait pas sortir la personne complètement du tawhid, mais qui, donc, va l'empêcher d'avoir le tawhid. Donc, Milbard. Donc le shir, parce qu'il est très tard ici en Arabie Saoudite, et le fajr chez nous, il est également très bonne heure. Donc le shir, il s'excuse et il nous dit qu'on va passer donc aux questions par rapport à ce qu'il y a eu. Et la semaine prochaine, et donc la semaine prochaine, il continuera donc la deuxième partie. La deuxième partie, il la continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc ce qu'on veut, on veut trois questions, uniquement trois questions sur le sujet. Trois questions uniquement sur le sujet, j'ai bien dit. Trois questions sur le sujet. L'Ahad. L'Arbiya, il y a un peu de l'Arbiya. 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 أنا أخش على 10 من الدوام. طيب ما في إشكال. أيوة نعم صح. لأنه بالنسبة لهم لا كان نبدأ إلا في ساعة 9 ونصف. لأنه عندهم المغرب. إذا بدأنا ساعة 9 وقت المغرب في فرنسا. طيب. Donc ce sera le dimanche l'Ahad, dimanche prochain, donc la suite du cours, Inch'Allah. Et ce sera donc à la même heure, 9h30, 21h30, Inch'Allah. Donc le shirk, il nous expliquera, il va rentrer dans les détails de ce qu'est le shirk al-asghar. Ensuite il va parler de ce qu'est al-bid'ah, l'innovation. Ensuite il va parler de ce qu'est al-kaba'ir, les grands péchés, également les petits péchés, al-sara'ir. Et également il va rentrer nous expliquer ce qui est en relation tahqiq al-tawhid, c'est-à-dire la concrétisation du tawhid.
Et ensuite, il y aura un irtibar, c'est-à-dire après, il y a une interrogation. Le cheikh, il posera des questions à ceux qui ont suivi nos cours. Taïeb. Donc, il y a une interrogation. Taïeb, pour les questions, on veut que qu'on veut trois questions, c'est-à-dire poser trois questions par rapport au cours. Donc, Abou Abdelmalik, Fadal, pose ta question par rapport au cours, Barakallahu fik. Donc, ceux qui ont des questions, levez les mains, il y en a trois. Il y a trois questions. Donc, profitez-en, levez les mains par rapport au cours. Et on demande au cher. Préparez votre question pour que ce soit rapide. Barakallahu fikoum. Donc on a Abu Abdel Malik, Abdullah et Abu Ahmed. Les trois, ils posent leur question. Allez, faddalou. Bismillah. Et donc, Al-Akh Yas'al, Fayakoul, Al-Akh Abdullah Yakoul, Al-Wa Sahih, Anouman Mata, Walam Yatoub an Shirk Al-Ashar, Al-Ladi Yani Fa'ala Fi Hayati, Dakhra Al-Nar. والسؤال الثاني بالنسبة للآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيسأل هل يدخل في هذه الآية جميع أنواع الشرك الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهذا حكم على كل من وقع في الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وسيأتي في الدرس القادم الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وسيأتي أنواع التحريم تحريم أبدي وتحريم أمني فلا تستعجلون وأما بالنسبة للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لفظ يتناول جنس الشرك فيدخل فيه الأكبر ويدخل فيه الأصغر على الصحيح كما ذكر المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وذلك لأن الله لا يغفر لمن وقع في الشرك وأما ما يتعلق في دخوله إلى النار فهذا يأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله. Donc dans la réponse du Cheikh, il a dit que certains points seront mis en évidence la semaine prochaine. Donc ceux qui seront là pour la semaine prochaine, ils pourront donc accéder aux réponses de façon détaillée. À la kulli hal, le cheikh il a dit, pour ce qui est donc du verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, il a dit que le cheikh, que à la parole, suivant la parole authentique des savants, qu'il rentrait dedans toutes les formes du shirk. Yani jins al-shirk, c'est-à-dire toutes les formes du shirk. Il rentre dans ce verset. Naam. Et par rapport donc à la première partie de la question, il a cité donc le shir, le verset Innahu ma yushrik billahi faqad harram Allah alayhi al-jannah. Donc dans ce verset, celui qui fait. Non. Donc celui ici qui tombe dans le shirk, hein, celui qui tombe dans le shirk, Allah Azzawajal va lui interdire le paradis. Donc ici il y a une interdiction, tahrim. Et bien entendu, at-tahrim, c'est-à-dire l'interdiction, elle est de deux catégories. Et c'est ce que va nous détailler le shir la semaine prochaine lorsqu'il va faire la différence, al-farq, la différence entre al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asra, c'est-à-dire le polythéisme majeur et mineur. Taïb al-akh Abu Ahmed, tafaddal. Naam. Donc, il y a le shir, sami'tu an idha qara shakhsun al-sura al-kafirun qabl an yanam. كتب له براءة من الشرك هل هذا حديث صحيح؟ نعم هذا الحديث صحيح لمن قال به واعتقده وعمل بموجبه. Donc la question, je dis en français, le frère l'a posé. Il y a donc un hadith qui concerne sourate al-Kafirun, les mécréants. Celui qui l'a lu avant de dormir, il lui est écrit donc un désaveu du polythéisme. Est-ce que ce hadith il est authentique? Le cheikh a dit qu'il était authentique et que non, et qu'il a dit, yani qala bihi, qu'il a dit wa'taqada, c'est-à-dire
qu'il a cru de par son cœur. Wama ta'ala dhalik, c'est-à-dire qu'il meurt dans cela. Ma ta'ala al-fitra, c'est-à-dire qu'il meurt suivant la nature prédisposée. Man jab al-hadith عند احمد وعند احمد احمد اكيد il est auprès de l'imam Ahmed, il est rapporté par l'imam Ahmed. طيب الاخ صالح نعم. Donc il précise bien mata ala fitra, c'est-à-dire qu'il meurt suivant la nature prédisposée, c'est-à-dire sans avoir associé. هذا السؤال الشيخ يسأل عن أن نتكلم عن الشيعة، هل هم مسلمون؟ ما هي عقيدتهم؟ يعني يريد تفصيل. بالنسبة إلى الرافضة فليس معنى في لا إله إلا الله فعبدوا غير الله، ولا في محمد رسول الله فاتخذوا لهم متبوعين، ولا في إقامة الصلاة فلهم صلاة بخلاف صلاتنا، ولا في إيتاء الزكاة فعندهم الخمس، ولا في صيام رمضان من حيث الابتداء والانتهاء والعمل، ولا في الحج فلهم يوم غير يومنا، فأركان الإسلام قد خالفوا فيها الخمسة. الشيخ nous dit tout simplement que les Shia, donc الروافض, il nous dit de manière générale qu'ils n'ont pas la même croyance que nous. Ils n'ont pas la même croyance que nous, donc ils n'ont pas le même témoignage que nous. Également, donc il nous a parlé des cinq piliers, al-arkan al-khamsa. Également, ils n'ont pas la même prière que nous, ils ne font pas la même prière que nous. Également, ils ne font pas la même zakat que nous. Tout simplement, ils ont le khumus, c'est-à-dire le cinquième. Et ils ne payent pas la zakat. Également, ils n'ont pas le même pèlerinage, le même siyam que nous. Ils ne font pas comme nous le siyam, et en même temps. Et également, ils ont... pour ce qui est non, ils ne font pas non au début, ils ne commencent pas en même temps que nous, et non, ils ne terminent en même temps que nous. Ça y est. Non, la fil hilal, voilà, c'est-à-dire suivant donc c'est et ensuite il dit le shir, et ensuite il dit le shir à la fin, donc el hajj, ils ont des jours qui sont différents de nos jours par rapport au hajj. Donc on voit. Donc, la divergence qu'ils ont avec nous, c'est filoussoul, c'est-à-dire dans les bases, et ce n'est pas filfoulour, c'est-à-dire dans les branches, c'est dans les bases. Donc, il dit, sont-ils musulmans ? Al-Muslimouf. Man kana hada wasfa, fa laysa ma'na, bal huwa adouul lana. Celui qui a ces caractéristiques que le shérif a citées, ils ne sont pas avec nous. Mais ce sont nos ennemis. طيب الاخ ابو حليمه بارك الله فيك تفضل. Question par rapport au cours. Par rapport au cours de Tawhid que le cheikh est là. Dit. Pas de question en dehors de ça, بارك الله فيك. الأخ يطلب نصيحة لكي يتعلم العقيدة يعني جيدة يعني بصفة سليمة يعني. عليك بمن يهتم بالكتاب والسنة على فهم الصحابة، هؤلاء يعتنون بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزهم واتبع أثرهم، فهم سلف صالح لخلف يهتم بما عليه السلف. يقول سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. Donc le shir nous a rappelé donc de s'accrocher à la croyance des salafs et tout ce qui est en relation avec cela parmi les livres et tout. Et donc il nous a dit que l'on devait
se concentrer sur cela, sur la croyance des salafs. Donc bien sûr, un conseil qui est général. Il nous a rappelé la parole de Salman al-Farisi, qui disait donc que l'on doit prendre des premiers. Taïb, le shir, il veut nous poser une question. فعليك بمعاليه الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كذلك التابعين ومن تبعهم وعلى رأسهم أئمة المذاهب كذلك البخاري الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه كالمزي والذهبي ومن معهم في زمانهم وابن كثير وكذلك الإمام أحمد وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والمقريزي كذلك قبلهم الأجري وكذلك الخلال كذلك ابن بطة العكبري وكذلك البربهاري وكثير من علماء السنة كالبغوي وغيره وأصحاب السنن. نعم. Donc le cheikh t'a donné ensuite une précision, barakallahu fik. Il t'a dit donc qu'il a cité plusieurs savants, qu'il a cité le cheikh. Il a dit d'abord, bien sûr, à leur tête les sahaba, les compagnons, et ensuite ceux qui les ont suivis dans leur croyance, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmed. Il a cité al-Madhaib al-Arba'a, c'est-à-dire les quatre madhab, c'est-à-dire les gens des quatre madhab. Il veut dire par là, il veut dire par là les imams des quatre madhab. Donc l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, taban. Il a ensuite cité d'autres savants, bien entendu, le shir pas mal, comme vous avez pu entendre. Il a cité Charles Islam Ibn Taymiyyah, il a cité Charles Islam Mohammed Abdel Wahhab, il a cité avant eux, bien sûr, le Khalal, Ibn Battah, également Ibn Kathir, Al-Ajuri, Al-Muzri, et donc Al-Zahabi, tous ceux qu'il a cités, tous les savants. Également parmi les savants qu'il te cite, les savants de Al-Mu'asir, c'est-à-dire contemporains, comme l'imam Ibn Baz, l'imam Shanqiti, l'imam Al-Albani, l'imam Al-Uthaymin, Ibn Al-Uthaymin, tous ceux qui sont connus. Cheikh Al-Fawzan, l'imam Cheikh Rabi'a, c'est Mohamed Al-Aman. Tous les savants que l'on connaît qui suivent le minhaj salaf. Donc le cheikh il a une question. Ma huwa tahqiq at-tawhid? La question est, quelle est donc la concrétisation du tawhid? Qui c'est qui répond? Donc baissez les mains, là c'est fini les questions. Ce qu'on va, on va interroger, quelle est donc la concrétisation du tawhid? Quelle est tahqiq at-tawhid? Abou Halima, c'est toi qui vas répondre. J'ai encore la main levée. هذا أحد الإخوان من بلجيكا يسلم عليك وجميع الإخوان من بلجيكا يسلمون عليك. إيه ويتصل بكم ها؟ الله ما أدري اسمه. هذا أبو حليمة اسمه. طيب donc il y a un frère qui répond, Abdullah, il dit c'est accomplir une forme de shirk. يعني لا الكيسيون سي التحقيق ايه سي نكومبير نعم دونك يقول ان لا نعمل نوع من انواع الشرك لا هذا ليس ce n'est pas la c'est نعم طيب Michel dit il a dit non dépense c'est vrai mais c'est naqis c'est à dire c'est ce n'est pas complet ce que tu as dit Abdullah ce n'est pas complet donc طيب الاثريه خلي واحد يجيب الاثريه تفضل réponds à la question du shirk quelle est la concrétisation du tawhid. C'était dans le cours. Le cheikh l'a cité dans le cours. Barakallahu fikoum. Le cheikh dit, le frère dit, il bat au nafi. Il y a une affirmation à la négation. Il bat au nafi. Hadafi, dans les deux, ce que tu as répondu à l'Athariya, c'est-à-dire, pour je dis pour les frères. Taïb. Donc il répète le cheikh. Parce que maintenant c'est fini, donc il répète. C'est-à-dire que l'on ne va pas à l'encontre et que l'on n'annule pas le tawhid, c'est-à-dire l'origine du tawhid, asl tawhid,
par le polythéisme majeur. Et on ne va pas en encontre et on n'annule pas la perfection du tawhid, kamal et tawhid, par le polythéisme mineur, shirk asghar. ولا ينقص كمال الواجب ببدعة أو صغيرة أو إصرار على ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on ne doit pas aller en l'encontre et on ne doit pas annuler la perfection de l'obligation. Kamal el wajib, la perfection de l'obligation. Par quoi? Donc par les trois points qu'il a cités, el bid'a, qui est l'innovation, ou el kabair, qui est les grands péchés, et le troisième, al-israr al-shagha'ir, c'est-à-dire faire les petits péchés de manière continuelle. Et donc le shir, il va rentrer dans cela en détail dans le prochain cours, inshallah ou ta'ala. Et donc sous une autre forme ou sous une autre parole, le shir il dit donc de se débarrasser du shirk, de la société et de toutes ces formes également al bid'a, avec toutes ces formes de la bid'a, c'est-à-dire l'innovation, également al ma'asi, c'est-à-dire les péchés, et de toutes ces formes. Voilà ce que le shirk. Donc le shirk, il vous passe le salam et vous dit à la prochaine fois, inshallah, dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنرحب بفضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري لهذا الدرس الثاني الذي هو تكملة للدرس السابق المسمى بعنوان تحقيق التوحيد. Donc, ce cours, c'est la suite du cours précédent que le Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, hafizahullah ta'ala, a fait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et qui portait sur la concrétisation de l'unicité, du tawhid d'Allah. Et donc aujourd'hui, ça va être donc la suite de ce cours. Fanasallah azza wa jal, at-tawfiq. فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في أمر عظيم خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل لبيانه، ألا هو توحيد الله وتحقيق العبادة الصحيحة وإفراده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا ما أمر الله به وأرسل من أجله الرسل وأمرنا بتحقيقه، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. دونك الشيخ après avoir fait la louange à Allah Azzawajal qui nous a permis de poursuivre cette rencontre qui est donc le deuxième cours du cours précédent qui avait pour titre la concrétisation du Tawhid, et donc on va parler de ce sujet le Tawhid, et il nous a rappelé le Shir bien entendu que Allah Azzawajal nous a créé dans ce but, c'est à dire dans le but de l'adorer et donc de concrétiser le tawhid. Il a rappelé le shir également ce point fondamental et qui est l'envoi des envoyés, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes pour concrétiser le tawhid, pour concrétiser
cela. Et ensuite, le shir, il a bien entendu rappelé des versets qui vont nous prouver cela. Comme il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, je n'ai créé les humains et les djinns, ou je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Et également, il a cité, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire, nous avons envoyé dans toutes les communautés des envoyés afin de dire, adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du Tarout. Et donc le Shir a dit, celui qui va concrétiser le Tawhid comme il se doit, il rentrera au paradis sans châtiment et sans compte. وذكرنا أن تعريف تحقيق التوحيد هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر وأن لا ينقص كمال الواجب ببدعة أو صغيرة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. Donc le shir nous rappelle ce qui avait été dit le cours dernier, qui est très très important pour comprendre donc la suite du cours, et qui est que dans un premier temps, pour concrétiser le tawhid, on ne doit pas l'annuler ou on ne doit pas annuler ce qui est l'origine du tawhid, aslu tawhid, et ce qui va donc à l'encontre et ce qui annule l'origine du tawhid, aslu tawhid, c'est shirk al-akbar, c'est-à-dire l'associationnisme majeur. Et également il nous a dit, ce qui ne diminue pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid, c'est-à-dire par le shirk asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Donc on ne doit pas diminuer la perfection du tawhid par l'associationnisme mineur. Et ensuite il a dit le shirk qu'on ne doit pas également diminuer ce qu'on appelle kamal al-wajib, c'est-à-dire la perfection de l'obligation, par, bien entendu, il a cité les trois choses qu'on avait citées la dernière fois, qui sont Al-Kabair, ou avant cela Al-Bid'a, ou Al-Bid'a, c'est-à-dire les innovations, ensuite Al-Kabair, les grands péchés, ou Al-Israr ala As-Sara'ir, c'est-à-dire accomplir les petits péchés de manière continuelle. Donc ces trois choses vont aller à l'encontre du Tawhid. Celles qui vont annuler son origine, ceux qui vont diminuer sa perfection et ceux qui vont également diminuer la perfection de l'obligation. ثم بينا أن الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد ويحبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم بينا أن الشرك الأكبر يدخل في الأقوال والأعمال والأموال والقلوب وشرحنا هذا بالتفصيل والآن نبدأ في الدرس الجديد. Le shir donc il nous a rappelé que la dernière fois on avait parlé sur ce qui concernait shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand polythéisme, le polythéisme majeur, et qui donc annulait asl al-tawhid, c'est-à-dire l'origine de l'unicité. Et le shir a cité également que cela concernait al-aqwal, les paroles, al-a'mal, les actes, al-amwal, les biens, ou al-quloub, c'est-à-dire les cœurs. C'est ce qu'on a donc cité la dernière fois. Et maintenant, donc, le shir, il va... Donc, ceci est à titre de rappel. Et maintenant, le shir, il va continuer le cours. بينا أن لا ينقض أصله بشرك أكبر نضيف وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذا سؤال لكم أجيب عليه الآن.
Donc le shir, il a dit qu'aujourd'hui on va voir ce qui diminue yunqas kamal tawhid, c'est-à-dire la perfection du tawhid, et qui est donc le shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Le shir, ensuite, il va vous poser une question maintenant et il vous dit de répondre. Il va vous poser une question et il vous dit de répondre. Cette question, c'est la suivante. Quelle est la différence entre le polythéisme mineur et le polythéisme majeur? Donc, qui c'est qui nous répond? Donc, l'akh Abu Abdel Malik, قال الأكبر يخرج من الملة. على كل أذكر لكم عدة فروق بين الأكبر والأصغر. الأكبر كما ذكر هذا الأخ الذي كتب الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا. نعم صحيح. أيضا الأكبر صاحبه خالد في جهنم إلى أبد، وأما الأصغر متوعد بالدخول في النار إلى أمد. طيب، les deux différences qu'il a donné le shir, donc comme le frère avait écrit, c'est que le polythéisme majeur fait sortir de l'islam totalement, alors que le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est la première différence. Ensuite, la deuxième différence, c'est que l'auteur du polythéisme majeur rentrera en enfer et y restera éternellement, alors que l'auteur du polythéisme mineur, il est sous la menace de rentrer dans l'enfer jusqu'à une période déterminée, jusqu'à une période qui s'arrêtera ensuite, déterminée. أيضا الأكبر بخلاف الأصغر، لأن الأصغر لا يزال له مسمى الإسلام، وأما الأكبر يخرج عن مسمى الإسلام. الأكبر إذا مات لا يصلى عليه، والأصغر يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الأكبر لا يرث ولا يورث، الأصغر يرث ويورث. نعم. Parmi les différences également que le shir il a cité, hafizahullah, il a dit que donc celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il sort donc de l'islam, c'est-à-dire on ne l'appelle plus musulman. C'est-à-dire qu'on n'applique plus sur lui le nom de l'islam ou le mot de l'islam, c'est-à-dire musulman, qu'il soit, on ne peut plus dire qu'il soit musulman. Contrairement à celui qui fait ou l'auteur du polythéisme mineur, il reste un musulman. Et donc, celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, on ne l'enterre pas, c'est-à-dire on ne l'enterre pas dans le Maqbar al-Muslimin, c'est-à-dire dans le cimetière des musulmans, et on ne prie pas sur lui. La yusalla alayhi, c'est-à-dire on ne prie pas sur lui. Contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur, on l'enterre dans le cimetière des musulmans et on prie sur lui. Et également, ce qui est engendré ici, c'est également la question de l'héritage, al-irf, la question de l'héritage. Celui qui est l'auteur du polythéisme majeur, il ne peut hériter et ne donne en héritage, contrairement à celui qui est l'auteur du polythéisme mineur. On hérite de lui et il donne en héritage. هذا بالنسبة لمن وقع في الأكبر وقامت عليه الحجة. Par rapport donc à ce qui a été dit précédemment, c'est donc pour celui qui a fait du shirk akbar, c'est-à-dire du polythéisme majeur, et dont on lui a donné conseil, on a mis en évidence ce qu'il faisait,
et ce que cela induisait, et ensuite, lui, il a continué malgré cela. ما هو تعريف الأصغر؟ هو كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. يعني دون لفظ الأكبر. Le Cheikh nous donne maintenant la définition du shirk asghar. Ça c'est une définition que le Cheikh vous donne. تعريف. Donc il a dit كل ما ورد فيه لفظ الشرك دون الأكبر. C'est-à-dire tout ce qui est advenu comme parole, et cette parole-là, c'est le polythéisme, c'est-à-dire le shirk. Sans qu'il y ait le mot majeur, sans qu'il y ait le terme majeur. Donc tout ce qui est advenu comme terme, et ce terme-là, c'est shirk, shirk, c'est-à-dire le polythéisme, sans le terme al-akbar, sans le terme majeur, grand. أمثلة على ذلك الحلف بغير الله قول لو طيرة بعض الأعمال أو الأقوال التي يدخلها الرياء فإن زادت قد تصل إلى الأكبر مثال لو حلف بغير الله معظم للمحلوب به فهذا أكبر وأما إذا حلف غير معظم فهذا أصغر. Le shirk, il nous a donné ensuite des exemples par rapport à ce qui rentre dans le shirk al-asghar. Il a donné comme exemple le serment que l'on fait par un autre qu'Allah, juré par un autre qu'Allah. Donc cela rentre dans le polythéisme mineur. Également la parole lorsqu'on dit là-haut, c'est-à-dire si on dit si. Également la superstition. Également la superstition. Également, il nous a dit le shir, des paroles et des actes où il est rentré l'ostentation, ar-riya. Et le shir donne un supplément et dit que si cela augmente, c'est-à-dire si ces points qu'on a cités à titre d'exemple augmentent, ils peuvent atteindre ce qui est considéré comme un shirk al-akbar, le polythéisme majeur. À titre d'exemple, il a repris l'exemple du serment donné par un autre qu'Allah ou juré par un autre qu'Allah. Si la personne jure par un autre qu'Allah, alors qu'elle vénère celui par qui il jure, il vénère donc celui par qui il jure, alors cette vénération, ce qu'on appelle at-ta'zim, va le faire entrer dans le polythéisme majeur. Par contre, s'il ne vénère pas, la yu'azim, c'est-à-dire ici, lorsqu'on dit vénérer, c'est at-ta'zim, lorsqu'il ne vénère pas celui par qui il jure, celui par qui il prête serment, alors ça reste dans le domaine du polythéisme mineur. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه ليشتد بي الأمر فأقول ولات فيشتد الأمر علي أكثر لماذا اشتد الأمر على عمر لأنه قال بلفظ شركي غير معتقدا له ولكنه خرج منه من موروث الجاهلية على حين غضب منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قل لا إله إلا الله يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال فقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر قل لا إله إلا الله دل على أن الشرك لا يكفره إلا التوحيد وفي مرة أخرى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال هذا قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأندادكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن هذا من الشرك الأصغر لأن خرج دون تعظيم إنما من الموروث. Le shir, il nous a cité un exemple par rapport à ce qu'il a dit
dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où Omar, il disait qu'il y avait une chose qui était dure par rapport à lui, et en fait c'est lorsqu'il disait Wallat, c'est-à-dire il faisait par là un serment. Et cela arrivait sans bien sûr qu'il ait la croyance en cela, mais c'était quelque chose qu'il avait hérité, bien entendu, de l'époque de l'anté-islamique, c'est-à-dire de la Jahiliya. De la Jahiliya. Donc il le disait au moment où il était en colère, sans croyance. C'était quelque chose qui venait à lui directement, comme cela. Et c'était quelque chose qui était dur par rapport à lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, par rapport à cela, dit la ilaha illallah, c'est-à-dire dit il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et par rapport à ça, donc le shir dit, notre shir a dit, shir ibn Baz rahimahullah, il a dit que ici on voit que rien n'expie le shirk sinon le tawhid, sinon l'unicité d'Allah. Rien n'expie le shirk sinon l'unicité d'Allah, at-tawhid. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne jurez pas par vos mères ni par vos pères, ou ne jurez pas par vos pères ni par vos mères et ni par les égaux, mais jurez par Allah, celui qui doit jurer alors qu'il jure, ou celui qui prête serment qu'il prête serment, par Allah azza wa jal. هذا مثال من أمثلة الشرك الأصغر، وهو يدخل في الأقوال ويدخل في الأفعال ويدخل في الأموال ويدخل في القلوب. ومثال هذا الرياء، فالرياء في الأقوال يدخل، وفي الأفعال يدخل، وفي الأموال يدخل، وكذلك القلوب، لأن الرياء محلها أنه يرائي بعمله، وسمي الرياء رياء من حيث الرؤية أنه يرى. Le shir, il a dit donc que donc l'exemple qu'il a donné auparavant, c'était bien sûr ce qui concernait le shirk al-asghar. Et une chose qu'il a précisé également à titre d'exemple, c'est ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation. L'ostentation, ça rentre dans les quatre catégories qu'on avait déjà citées auparavant, c'est-à-dire dans les actes, al-af'al, également dans l'aqwal, c'est-à-dire les paroles, également dans les biens, al-amwal ou al-quloub, dans les cœurs aussi. Donc le riya rentre dans ces quatre catégories. حكمه خطير جدا. حكمه, c'est-à-dire donc son statut, il dit le shir, خطير جدا, très dangereux, très dangereux, très dangereux. فلقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. بل خافه على الصحابة فقال, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال, وما هو يا رسول الله؟ قال, الرياء. الخائف هنا من؟ رسول الله. والمخوف عليهم من هم؟ الصحابة. فبالله عليكم معاشر الإخوان, ماذا نقول عن أنفسنا؟ Le shir, il nous rappelle ici un point qui est très important. Lorsqu'il a dit que c'était très dangereux, il nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait peur de cela sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il disait cette doua, qu'il demandait à Allah azawajal la protection, il demandait à Allah azawajal qu'il le protège de ce polythéisme, que ce soit dans ce qu'il connaît ou dans ce qu'il ne connaît pas. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de cela pour ses compagnons, les sahaba.
Et c'est pour cela qu'il a dit dans le hadith connu, ce qui me fait le plus peur pour vous, c'est-à-dire le polythéisme mineur. Lorsque les sahaba ont demandé au prophète sallam ce que c'était Shirk al-Asrar, il a dit Ria, c'est-à-dire il a dit l'ostentation. Donc le shirk, il nous fait prendre conscience que celui qui a peur ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qui il a peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a peur pour ses compagnons. Il a peur pour ses compagnons. Alors, que doit-on dire de nous? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'Anbiya, Ibrahim alayhi salam, il dit, « Rabbi, jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. » Kullahum yakhafoun. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yakhaf. وقال أحد العلماء الشيخ حمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد لاختصار تيسير العجز الحميد لشرح كتاب التوحيد عند هذا الحديث فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم فالأكبر مخوف علينا مع ضعف إيماننا. Le shir nous a rapporté ici une parole d'un des savants qui s'appelle Hamad ibn Atiq et qui nous rapporte cette parole dans son résumé du livre du Tawhid. Qui est mort, ce shir, comme nous le dit le shir, nous rappelle qu'il est mort, rahimallah, avant, depuis 40 ans, depuis 40 années. Il dit, ce shir, une grande faïda. Un grand bénéfice. Il nous dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du polythéisme mineur et que les compagnons ont eu peur du polythéisme mineur et que le prophète a eu peur par rapport à ses compagnons du polythéisme mineur avec Kamal al-Iman, c'est-à-dire avec la perfection de la foi qu'ils avaient. Alors, est-ce que nous n'avons pas peur du polythéisme majeur, du shirk akbar, avec la baisse et la faible foi que l'on a, ma'adhaf al-iman, avec la faible foi qu'on a, wallah al-musta'an. حكم الشرك الأصغر أن الله تبارك وتعالى توعد فاعله أو الواقع فيه بنار جهنم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا التحريم على نوعين: تحريم أبدي وهو لمن وقع في الأكبر، وتحريم أمدي لمن وقع في الأصغر. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به سنشرحها بعد قليل. Le shir donc qui nous a rappelé la parole d'Allah Azzawajal et qui est donc une grande menace pour celui qui va tomber dans le shirk et qui est la parole d'Allah Azzawajal, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. C'est-à-dire celui qui fait de l'associationnisme avec Allah, qui tombe dans l'associationnisme, innahu man yushrik billah, celui donc qui associe Allah, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-janna, Allah azza wa jall lui a interdit quoi? Le paradis. Allah azza wa jall lui a interdit le paradis. Donc ici une interdiction. Interdiction de quoi? L'interdiction du paradis. Le shir il nous dit ici que cette interdiction elle est de deux catégories. Elle se divise en deux catégories. Tahrim abadi, c'est-à-dire une interdiction qui est éternelle. C'est-à-dire que la personne qui tombe dans le polythéisme majeur, jamais il ne pourra entrer au paradis. Donc c'est une interdiction qui est éternelle, qui ne s'arrêtera jamais. Et la deuxième catégorie, c'est tahrim amadi, c'est-à-dire une interdiction qui n'est ici donc pas éternelle. C'est une interdiction qui n'est pas éternelle, une interdiction qui va s'arrêter. Donc, dans ce sens,
la personne, un jour ou l'autre, rentrera au paradis. Cette interdiction s'enlèvera, sera supprimée. Et c'est pour celui donc qui s'y tombe dans le polythéisme mineur. Et ensuite donc, le shir, il va nous expliquer le verset qui est connu de tous. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. هذه الآية محكمة وليست منسوخة بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم هذه الآية أيضا محكمة يغفر الذنوب لمن تاب، أما من مات على الشرك فهذا داخل في الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالواقع في الشرك الأكبر أو الواقع في الشرك الأصغر هو داخل في الوعيد، فالأكبر داخل في جهنم خالدا فيها، والواقع في الأصغر يدخل فيها فيمكث ما شاء الله أن يمكث بقدر ما وقع فيه من هذا الأصغر حتى يستوفي جزاءه أو أن يكون له حسنات مرجحات، وهذه تسمى بالموازنة. Le shir, il nous rappelle que le verset. Le shir, il nous rappelle ici que le verset donc qu'on a cité précédemment et qui est le suivant, qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire qu'on fait acte de polythéisme, et il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Il nous rappelle que c'est un hadith qui est dit muhkama, c'est-à-dire c'est un verset qui est dit muhkama, c'est-à-dire un verset qui n'a jamais qui n'a pas été abrogé. Un verset qui n'a pas été abrogé. Et donc, le shir nous précise par rapport à ce terme technique, muhkama. Le shir donc, il nous précise, il nous donne cette précision par rapport au terme technique muhkama, et qui concerne ici le caractéristique du verset que l'on vient de citer. Il nous dit le shir que muhkama, c'est-à-dire que son statut par rapport à ce qu'il engendre comme acte est continuel. Il continue, c'est-à-dire qu'on continue de travailler par rapport à ce verset. Et également qu'il est, ou que l'on peut également le prendre comme argument, c'est-à-dire on peut le prendre comme un argument. On peut s'en servir comme un argument. Donc, il est valable comme argument. Ça, c'est pour ce qui est du terme muhkama. Et donc, dans ce sens, il n'est pas mansoukha, c'est-à-dire qu'il n'est pas abrogé. Ce verset-là n'a pas été abrogé. Et donc, il va nous rappeler un autre verset pour qu'on comprenne ce deuxième verset et pour que l'on comprenne la relation qu'il y a entre les deux versets et comprendre donc l'importance du premier verset. Il nous a rappelé le shir, ce verset, Ya ibadi, alladhina asarafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ce verset où Allah Azza wa Jalla nous dit, oh mes esclaves, ceux qui ont fait du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il pardonne les péchés, tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Mais donc, comment on comprend le premier verset et le deuxième verset? On comprend que dans ce deuxième verset, les péchés qui vont être donc pardonnés, c'est après que la personne ait fait tauba, c'est-à-dire elle a fait le repentir. Elle a fait le repentir. Par contre, la personne qui n'a pas fait donc un repentir du shirk, de l'associationnisme, alors, dans le cas où c'est un grand polythéisme, il demeurera donc
un enfer et jamais Allah Azzawajal lui pardonnera. Si c'est bien entendu un polythéisme qui est mineur, c'est-à-dire non majeur, alors il est sous la menace d'Allah Azzawajal. S'il rentre en enfer, alors, bien entendu, il en sortira après une période, comme on l'a vu auparavant par rapport à ce qui est du tahrim amadi. لأن الله تبارك وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهنا المغفرة لمن تاب. Et donc il nous rapporte ce verset إني لغفار لمن تاب وآمن. C'est-à-dire ici le cheikh va nous préciser l'importance du repentir et que le repentir est fondamental parce qu'Allah Azza wa Jalla dit je suis très miséricordieux pour ceux liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, c'est-à-dire ici donc dans ce verset celui qui s'est repenti, donc man taba wa amana, celui qui s'est repenti et ensuite a cru et ensuite a fait de bonnes actions et a été droit sur bien sûr le droit chemin. Amma man mata ala shirk ولم يتب فهو داخل في هذا الوعيد في هذه الآية وإني لغف وإني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في من مات دون توبة سواء من الأكبر الشرك الأكبر أو الأصغر أو الذنوب من مات دون توبة فهذه الآية متعلقة فيه وكونه مات على الشرك لم يتب منه فهو متوعد بالنار إلى أبد أو أمد ومن مات وقع في كبيرة لم يتب منها فهذا تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه أما من تاب من الأكبر أو الأصغر أو الذنوب فلا يدخل في هذه الآية. Donc le cheikh ici nous a rappelé également un point qui est important. Il nous a dit donc pour celui qui fait donc un acte de polythéisme, également pour celui qui fait des péchés et qui ne s'est pas repenti, alors il rentre dans le verset. Donc par rapport à cela, celui qui a fait de l'associationnisme et celui également qui a fait des péchés rentre dans cela. Et bien sûr, pour celui ensuite qui a fait, qui s'est repenti, pour celui qui s'est repenti, qui a fait acte de repentir, donc qui s'est repenti d'Allah Azza wa Jal, alors celui-là, donc il reste pour celui, bien sûr, celui qui n'a pas fait le Tawba, pour être bien précis par rapport à cette parole du Shir, pour celui qui n'a pas fait Tawba du grand polythéisme et du polythéisme mineur, alors il rentre sous ce verset. Par contre, pour ce qui est des péchés, celui qui n'a pas fait le Tawba, celui qui n'a pas fait donc acte de repentir devant Allah Azza wa Jal, alors cette personne-là est Tahta al-Mashi'a. Cette personne-là est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonne, ou s'il veut, il le châtie. Et bien entendu, celui qui s'est repenti de ses péchés, bien entendu, ici Allah Azza wa Jal lui pardonne, avec bien sûr les conditions. وعلى هذا يتبين أن القول الصواب فيما يتعلق بالشرك الأكبر أنه داخل في وعيد الشرك وليس داخل في وعيد الكبائر وإن كان من حيث الجنس هو من الكبائر فالكبائر أنواع وأكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس والزنا وهكذا ولكن لا يدخل في الكبائر من حيث الوعيد أنها تحت المشيئة إنما يدخل في وعيد الشرك. Donc le cheikh il nous précise ici qui est important, une précision qui est importante pour ce qui il nous dit donc la parole véridique el qawl sawab pour ce qui est donc du shirk. Pour ce qui est donc du shirk, il rentre bien entendu sous al-wa'id, c'est-à-dire yadkhul tahta al-wa'id, il rentre donc sous
la menace, Taïb, mais il ne va pas être de la même, du même genre que Al-Kabair, c'est-à-dire des grands péchés. Pourquoi ? Parce que les grands péchés restent sous Taht al-Mashi'a, c'est-à-dire sous la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut, il pardonne, ou s'il veut, il ne pardonne pas. وأما أن نجعل الشرك الأصغر مما هو تحت المشيئة فهذا إخراج له من النص، والنص ورد على أن من أشرك بالله شيئا دخل النار، وشيئا تشمل الكبير والصغير. Donc, en conclusion, le shéri nous dit que, pour ce qui est donc du verset « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih », il nous dit que rentre dedans le grand péché, le grand associationnisme majeur et également mineur. Donc on ne peut pas faire rentrer l'associationnisme mineur sous la volonté Taht al-Mashi'a, mais il rentre donc sous le verset qui a été cité. Pourquoi ? Parce qu'il est bien cité dans le verset que celui qui associe à Allah Azzawajal, quoi que ce soit majeur, akbar, ou asrar, ou que ce soit mineur. Et bien sûr, c'est pour celui qui meurt dans cet état-là. C'est pour celui qui meurt dans cet état-là, comme nous le précise le shir. من كبائر الذنوب تحت المشيئة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول كون في اسم الشرك ومن جنس الشرك هو داخل في وعيد الشرك وليس في الكبائر التي هي دون الشرك تحت المشيئة، وهذا إن دل فإنما يدل على خطورته، فلذلك الواجب الحذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا حرم الله الجنة سواء تحريم أبدي على أهل الأكبر أو أمدي على الأصغر. Donc le shirk, il précise bien et il insiste donc que le shirk al-asghar, le polythéisme mineur, ça ne rentre pas sous Al-Mashi'a, Taht al-Mashi'a, sous, c'est-à-dire comme Yamith al-Kabayr, comme les grands péchés sous la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut, il pardonne, s'il veut, il ne pardonne pas. Non, le polythéisme mineur rentre sous la menace qui est faite à celui qui va faire du shirk, de façon générale, que ce soit le grand ou que ce soit le petit ou le majeur ou le mineur. Que ce soit le majeur ou le mineur. Et c'est donc, cela nous prouve, même comme il a signalé le shirk, si certains savants disent que ça, le shirk al-asrar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, rentre sous l'al-mashi'a. Ici, par rapport au verset que l'on a et que le shirk a cité, a expliqué, il rentre en fait, ou il rentre sous l'ensemble de ce que l'on appelle le shirk, c'est-à-dire de façon générale, le shirk de façon générale. Donc, dans ce sens, si on revient au verset, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui fait un acte d'associationnisme, celui qui donne à Allah Azzawajal un associé, Allah lui interdit le paradis. Donc ici il rentre bien dans cela, celui qui fait ce que ce soit du polythéisme majeur ou polythéisme mineur, parce que c'est le, ça rentre dans le même jar, le jar du polythéisme, même si ensuite il y a différence par rapport aux deux catégories. Donc il va ensuite advenir, bien entendu, soit l'interdiction, pour ce qui est du polythéisme majeur, l'interdiction éternelle, ou celle qui ne va pas être éternelle et qui concerne, bien entendu, le polythéisme mineur. هذا يتعلق بألا ينقص كماله بشرك أصغر وألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو الإصرار على الصغيرة. سنبين البدع وأنواع البدع وأحكام البدع
وأهل البدع والموقف منهم والدور في معاملتهم، وهذا أيضا مع بيان الكبائر وأحكام الكبائر وأنواع الكبائر، مع بيان أيضا الصغائر والإصرار عليها. كل ذلك سوف يكون في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله وسلم على محمد. Donc le cheikh nous a précisé ici, lorsqu'on a parlé bien sûr de ce qui diminue la perfection du tawhid, kamal et tawhid, et on a donc parlé ici du shirk al-asghar, c'est-à-dire du polythéisme mineur. Ensuite, pour un prochain cours, le cheikh il va mettre en évidence ce qui diminue kamal al-wajib, kamal al-wajib, et qui bien sûr ici est relaté par, d'une part, al-bida, les innovations, les grands péchés, et ensuite les petits péchés, bien entendu les petits péchés lorsqu'ils sont faits de manière continuelle, c'est-à-dire l'israr al-sarair. Et le shir, donc, dans le prochain cours, nous parlera de l'innovation, il nous parlera également des gens de l'innovation, et comment notre comportement envers eux, et également il parlera de ce qui rentre dans al-kabair, les grands péchés, et également de ce qui rentre dans les petits péchés. Donc tout cela, ce sera pour un prochain cours. Et le shir donc demande à Allah Azza wa Jalla l'accord pour tout le monde.